Hola banana, comment ça va? Bon, ça s'est rafraîchi finalement. Les températures ont bien baissé ici. Vive le Canada, hein? Tu vois, si t'es bien équipé, ça va. Mais j'ai quand même froid. Bon, aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo sur un article que j'ai lu et que j'ai trouvé super intéressant et que je suis sûr qu'il va t'intéresser. C'est pas très instructif, tu vas pas apprendre grand-chose. On va faire la comparaison des sports qui brûlent le plus de calories. Je trouve ça vraiment super intéressant de juste de comparer. Moi, j'aimerais déjà savoir, toi, qu'est-ce que tu fais comme sport? Si tu cours, tu fais du vélo, tu fais un sport collectif, etc. Ou t'as fait beaucoup, mets-le-moi dans les commentaires. Même si tu fais rien, mets-le-moi dans les commentaires. Comme ça me permettra de jauger un peu qui t'es, banana. Parce que moi, je te raconte ma life, tout ça, je te montre tout, mais je connais pas la tienne. Alors qu'il faut faire super attention avec l'article, parce qu'il faut prendre ça avec des pincettes, bien sûr. Parce que tout le monde est différent, tout le monde a des métabolismes différents. Et quelqu'un qui va faire du volleyball, moi je fais du volleyball, je vais pas brûler les mêmes quantités de calories que toi qui fais du volleyball. On se comprend? Je te mets l'article dans la description, comme ça tu pourras aller regarder toi aussi. Ils ont fait un classement par différentes disciplines, les sports de combat, les sports collectifs, etc. Et on va reprendre un peu leur classement. On va commencer par les sports collectifs. Certainement il y en a d'autres, hein. Ils ont pris des, je pense, les sports les plus communs. Mais je pense que tu peux en trouver d'autres facilement. Le football et le volleyball. Figure-toi que le football, tu dépenses entre 400 et 600 calories. Et c'est un des sports collectifs où tu le brûles le moins de calories. Et ben moi, tu vois, j'aurais pensé que tu t'en brûles plus que le volleyball. Et non, le volleyball t'en brûle entre 450 et 600 calories par heure, tu vois. Et après, on va taper direct dans le haut du classement. Tu vois, des sports, j'aurais jamais pensé. Mais en fait, quand tu réfléchis bien, ouais, quand même, ça demande pas mal d'efforts dans les sports collectifs. Le water polo qui est en deuxième position, tu brûles entre 600 et 800 calories par heure. Mais là où je suis tombé du bananier, c'est le handball. Le handball, c'est le sport collectif qui brûle le plus de calories d'après leur classement. Tu brûles entre 800 et 920 calories par heure. C'est quand même énorme. Et quand tu réfléchis, tu vois, je les vois jouer. Et en fait, c'est vrai que c'est un sport où ils font que sprinter en fait. C'est que des sprints. Bon, à part le gardien, bien évidemment, mais tous les autres joueurs, ils sprintent. C'est que ça. Il n'y a quasiment jamais de temps mort. Et c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais le handball, ça brûle pas mal de calories. Donc, si tu veux brûler des calories, fais du handball. Les sports de balle, tennis, ping-pong, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, ça brûle pas mal de calories aussi. C'est vrai que tu bouges pas mal quand tu fais ça. Moi, j'aurais dit que, par exemple, le squash, effectivement, t'en brûles vraiment beaucoup. De 600 à 920 calories par heure, c'est vraiment pas mal. Mais là où j'ai été étonné, c'est la pelote basque, si tu veux. La pelote basque, tu brûles de 800 à 950 calories par heure. Et mets-toi à la pelote basque, tu vas brûler des calories. Je te le dis direct, c'est pas un truc de fou, la pelote basque. Ouais, il y a des sports, tu vois, j'aurais jamais, mais jamais soupçonné. Il fallait que je te le partage. On va passer à un truc qui m'intéresse, tu vois, les sports de combat. Et on pense tous, bien évidemment, que c'est la boxe qui brûle le plus de calories. Eh bien, figure-toi que non. Avec la boxe, tu brûles beaucoup de calories, de 600 à 1000 calories par heure. Mais avec le judo, et je pense que le jiu-jitsu brésilien, peut-être t'en brûle encore un peu plus parce que j'en ai fait un petit peu avec mes amis, sorti comme une serviette mouillée de là, une serviette sale mouillée. Ils m'en ont fait baver, sérieux. Le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment dur. Le judo, tu brûles de 800 à 1000 calories par heure. C'est plus que la boxe. Et vraiment, j'aurais jamais pensé ça. Ça, je m'en doutais un peu, tu vois, mais dans les sports d'eau, l'aviron, tu brûles énormément de calories aussi. C'est un des sports où tu brûles le plus de calories, de 600 à 1000 calories par heure. Ça dépend de comment tu rames, tu vois, mais ça, je m'en doutais un peu, tu vois, ça m'étonne beaucoup moins. Et là, on va prendre les sports d'endurance en top du top. La course à pied, eh oui, la course à pied. La course à pied, c'est super calorivore. Ça mange des calories. Tu brûles entre 800 et 1000 calories par heure. Mais en termes généraux, tous les sports d'endurance, tu brûles énormément de calories. Et là, tu peux le voir dans le classement également. Mais il y a d'autres sports, tu vois, style la corde à sauter. Avec la corde à sauter, tu brûles entre 700 et 900 calories par heure. C'est quand même pas mal. Une heure de corde à sauter, faut la tenir quand même, hein. C'est vraiment intense. Mais tu vois là où j'étais étonné, la Zumba, finalement, je vais aller faire de la Zumba. Tu vas me voir zumber, tu vas voir. Zumba, Zumba. De 530 à 750 calories par heure. Franchement, je suis vraiment, vraiment très étonné. Alors Zumba, bon. Mais attends, c'est pas fini. Il y a aussi les sports en plein air.
Et celui qui remporte le top du top, j'en ai déjà fait, je peux te dire, je le valide, c'est le ski de fond. C'est dur, c'est dur, c'est dur. De 500 à 1100 calories par heure, c'est vraiment, vraiment énorme quand même. Mais c'est un sport vraiment physique quand même. Ouais, j'en ai déjà fait, franchement, c'est pas évident. Surtout quand t'es pas habitué. Mais là où j'ai été étonné, le ski en descente, bon, faut que tu trouves une descente de 1 heure. C'est quand même... j'en ai jamais vu. Mais tu brûles de 300 à 650 calories par heure. C'est quand même pas mal, mais va trouver ta descente de 1 heure. Je sais pas où tu la trouves, moi. Donc voilà, j'ai fait mon petit classement. C'est une petite vidéo courte, marrante. Hein. J'espère que ça t'a plu. J'avais envie de te le partager et ça me permet de te faire des vidéos aussi plus régulièrement. T'as vu, hein, je tiens ma promesse quand même, hein, je suis bon. Hein. Bon, j'espère à bientôt, j'espère que ça t'a plu. Mets-le-moi dans les commentaires, dis-moi toi quel type de sport tu fais. Merci pour les soutiens avec les pouces bleus, vous êtes les meilleurs. On se voit bientôt. Ciao banana.